Hello, hello, hello. Welcome, welcome to a time with Jesus. Bienvenue, bienvenue pour le temps, pour passer du temps avec le Seigneur Jésus. Woman who are down, Femme, qui es-tu? you're welcome. Vous êtes la bienvenue. Please share and invite somebody. Je vous en prie, essayez de distribuer et partager avec cette Yes, invite somebody, invite a woman that the women are gathering at the feet of the Lord. Invitez, faites des, envoyez des invitations que les femmes se réunissent aux pieds de Jésus. Today we'll continue with the grace of the woman. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la grâce de la femme. Please share. Partagez, je vous en prie. Invite your sisters, invite your brothers, just invite your co-workers, invite them. Invitez tout le monde, vos soeurs, vos frères, vos collègues de service, tout le monde qui est autour de vous. Invite them, invite them, invite them. Invitez-les, invitez-les, invitez-les. Hallelujah. Today we are going to be sharing a very important topic. Aujourd'hui, nous allons partager un topic très, très A important. woman needs to hear what will change her life. La femme doit écouter ce qui pourrait changer sa vie. Because there are many women in a lot of difficulties and frustration. Parce qu'il y a beaucoup de femmes dans des difficultés, dans la frustration. They do all they can do, and yet they are faced with a lot of frustration. Ils font tout ce qu'ils font là parce qu'ils sont en face de certaines frustrations, de certaines. They do all that they can do, Ils font tout ce qu'ils peuvent faire. and yet they are in a lot of frustration. Mais même comme ça, ils sont dans beaucoup de frustrations. So we are coming, I'm coming this day to give them some secrets. Je viens en ce jour leur donner certains secrets. How to overcome. Comment sortir de là? That is why I'll be talking about the grace of the woman. C'est le pourquoi je parlerai de la grâce de la femme. The woman has a special grace. La femme a une grâce spéciale. And many women don't know that they have that Et grace. plusieurs femmes ne savent pas qu'elles ont cette grâce. Let's pray. Prions. My Father, my God, I just want to thank you. I give you praise and honor for this moment. Sweet Holy Spirit, our guide, our teacher, our leader, teach, lead, guide. Sweet Holy Spirit, tell us we are at your feet. We are listening. Lead us, teach us. Kalabaseke, I pray for all the women listening under the sound of my voice. May the Lord open your understanding. Hey, may the Lord open your heart to understand. I pray for the spirit of wisdom and understanding. Father, thank you that even those that you want, oh God, to be in this program, those that you want to listen direct, that Lord, you will draw them. Thank you, Father. I give you praise and honor because I know you will do exceedingly, abundantly more than I'm able to ask. Speak to us, Lord. Speak to your daughters. Strengthen them. Speak, oh Father, Shantaraba. Inspire them, anoint them, give them, oh God, the unction to function as wives, oh God, as mothers, oh God, as sisters. Hey, Kabalabakaseke, as sisters in the church. My Father, my God, I thank you because I know that you will do more than I'm able to ask you. I cover this time with the blood of Jesus. I say, Holy Spirit, I step back, I say, take over. Have your way in Jesus' name. Amen. Oh, Lord, my God, when I in awesome wonder, I don't have any right to this song.
Hallelujah, Jesus. I just want us to worship the Lord with this song. Considering all your hands of me, then sings my soul, my Savior, Lord, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, God, to thee. How great thou art, how great art. You're welcome, you're welcome, you're welcome, you're welcome. Oh, Ribaseke, you're welcome to the time with Jesus. Bienvenue, bienvenue, bienvenue pour le temps avec le Seigneur Jésus. Woman, who are you? Femme, qui es-tu? It is so important for the mother to know who she is. Il est très important pour la mère de savoir qui elle est. It's very important for a wife to know who she is. Il est important pour la femme de connaître qui elle est. It's so important for a sister to know who she is. Il est important aussi pour la sœur de connaître qui elle est. It's very important. It's very important. Il est très important. Yes, for the woman to know who she is. Pour la femme de connaître qui elle est. So this today, as we talk about the grace of the woman. Aujourd'hui, nous parlerons à propos de la grâce de la femme. Oh Jesus, thank you, Lord. There is a grace that carries the woman. Il y a une grâce que la femme porte. Because of her responsibility. À cause de ses responsabilités. Thank you, Jesus. Karabakaseke turuboshike. Get water for me, please. Karabakas kandalabasekiriba. The importance and the role of the woman is so strong, is so needed in the society that it is very important for her to stand rightly. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. She is so important that it is important for her to stand rightly in the society. C'est tellement important et c'est aussi important pour elle de se tenir droit dans la société. Because any little error from her can bring a lot of problems. Parce qu'une toute petite erreur d'elle peut apporter plusieurs problèmes. If the mother makes an error, it affects the whole family. Si la mère fait l'erreur, cela affecte toute une famille. If the wife makes an error, it affects the marriage. Si la femme fait l'erreur, cela affecte le mariage. That is why God has given her grace. C'est pourquoi le Seigneur l'a donné cette grâce. Has given her grace. C'est pourquoi le Seigneur lui a donné cette grâce. So that it is not her that functions, but it is the grace of God that carries her. Dans ce cas, c'est pas elle qui fonctionne, mais c'est la grâce du Seigneur qui est en elle, qui la porte. Because as a mother, even her children will offend her through their actions. Parce que en tant que mère, même ses enfants l'offensent par leurs actions. Thank you. And as wife, your husband will offend you. Parfois, c'est le mari qui l'offend. There are many, many things that can happen around a woman. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver tout autour de la femme. Even in laws. Même dans la perte. Even in laws. Même dans la loi. The in-laws, the sisters and the brothers. Dans la belle famille. Dans la belle famille. Thank you. You're doing well. You're doing well.
Koriba, Sekiriba. There are many things that bring offenses. Il y a plusieurs things qui apportent la, cette offense. There are many things, shows. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui peuvent apporter tout cela. And it is only the grace of God that can keep her standing right. C'est seulement la grâce de Dieu qui peut l'aider à se tenir. And it's only the grace of God that will keep her mind peaceful. Et c'est seulement la grâce du Seigneur qui pourra faire en sorte que sa tête reste droite. It is only the grace of God that keeps our heart peaceful. Et c'est cette même grâce qui fait en sorte qu'elle ait un cœur tranquille. And continue to do the right thing. Et qu'elle continue à faire du bien. Because if it is not the grace of God, that mother can starve the children. She'll be so disappointed that she will not cook. Si ce n'était pas cette grâce du Seigneur, cette mère pourra faire du mal aux enfants. Si ce n'était pas cette grâce, elle ne pourra pas s'abstenir. And then if it is not that grace, she cannot be a good wife. Si ce n'était pas cette grâce, elle ne pourra jamais être une bonne épouse. If it is not that grace, she cannot be a good sister in the house of God. Si ce n'était pas cette grâce, elle ne pouvait pas être une bonne sœur dans la maison du Seigneur. And because there are just too many things. Parce qu'il y a plusieurs choses. And that is why God has released a special grace on the women. C'est le pourquoi le Seigneur a relâché une grâce spéciale sur les femmes. You see, when you look at a woman carrying a child for 9 months. Quand tu regardes comment la femme porte un enfant pendant 9 mois, it is only grace that carries her through the pain, the uncomfortability, the sickness, and all that is involved in pregnancy. C'est seulement la grâce qu'elle porte en elle, qui fait en sorte qu'elle puisse supporter cette peine, cette douleur, tout ce qu'elle traverse, les maladies pendant sa grossesse. It is the grace of God. C'est seulement la grâce de Dieu. So I'm bringing the woman to understand that there is something called grace. J'amène les femmes à comprendre qu'il y a quelque chose qu'on appelle la grâce. Many women don't know. Plusieurs femmes ne le savent pas. And they want to live this life by themselves. Elles veulent vivre cette vie soi-même. And they want to use their knowledge, they want to use their strength, all that is needed. But another thing they are missing is grace. Elles veulent utiliser leur connaissance, elles veulent utiliser leur pensée, mais tout cela est important, mais elles ont besoin d'une grâce. They lack one thing, grace. Elles manquent quelque chose, c'est la grâce. And that is what I'm introducing. C'est ce que j'introduis ce matin. I want a woman to understand that she needs grace. Je voudrais que la femme comprenne qu'elle a besoin de cette grâce. To be able to carry all that is facing her. Qu'elle soit capable de porter tout ce qu'elle endure, tout ce qu'elle elle fait, elle, yeah, qu'elle endure. You know, it, some women might be asking, but Bishop Caroline, why the woman? Certaines personnes pourront demander pour Bishop Caroline, pourquoi les femmes? It's because of her position as a helper. À cause de sa position comme l'aide. The helper doesn't help herself, she helps someone else. L'aide, quelqu'un qui aide ne s'aide pas soi-même, mais aide quelqu'un d'autre. It might be a husband, the children, a sister, a brother, and so on. It's about some other person. Ça peut être le mari, le frère, la sœur, la belle-sœur, l'ami, mais c'est toujours à propos de quelqu'un d'autre. That's how the woman was wired. C'est comme ça que la femme a été créée. And as we know,
human beings, they have different characters. Nous savons que l'être humain a plusieurs caractères. And she has to interact with all of these characters. Et elle doit affronter tous ces différents caractères. It is very easy, maybe a man to choose who to relate with and where to be, but with a woman, she's just forced to relate with everybody around her. C'est très facile pour l'homme de choisir avec qui être, mais c'est très difficile pour la femme parce que c'est pas facile de elle doit juste s'accommoder avec tout le monde. For instance, when somebody comes to the house, when somebody comes to the house, quelqu'un vient à la maison and sees only the man, et voit seulement l'homme, and the wife is there, et la femme est là, and he doesn't see the wife, il ne voit pas la femme, there is something not right. Il y a quelque chose qui n'est pas droit. But if you come and see the wife and the man is not there, it's okay. Venez voir la femme et que le mari n'est pas là, ça va. Thank you, because she is going to make that person comfortable. Parce que elle fera le possible pour mettre la personne. So there's always something not right, lacking when the woman is not there. Il y a toujours quelque chose en manque quand la femme n'est pas là. And again, the very people have different characters. Et plusieurs personnes ont différents caractères. And she has to deal with all of these characters. Et elle doit s'accommoder, elle doit faire avec ces caractères différents. It's not easy. C'est pas facile. And so that is why she needs grace. C'est pourquoi elle a besoin de cette grâce. It is given her. Cela lui donne. She just needs to know that she has grace. Elle a juste besoin de connaître qu'elle a cette grâce. And cultivate it. Et la cultiver. And consciously use it. Et l'utiliser consciemment. It is only grace. C'est seulement la grâce. That drives the woman to be able to do multiple things at the same time. C'est cette même grâce qui amène la femme à faire plusieurs choses à la fois. Because the woman is a nurse in her home. Parce que la femme, elle est nurse à la maison. She is a housekeeper. Elle est la bonne. She is a nutritionist. Elle est nutritionniste. In fact, she wears many hats. En principe, elle porte plusieurs chapeaux. She is the receptionist in the house. Elle est la réceptionniste dans la maison. And she is the waitress. I know, Dora. You know, so she, as a matter of fact, she wears many hats. En principe, elle porte plusieurs chapeaux. She can't do all of that without grace. Elle ne peut pas accomplir tout cela sans la grâce. That is why most women stumble. C'est pourquoi certaines femmes font des erreurs. They get tired. Elles se fatiguent. They get frustrated. Elles deviennent frustrées. And they can't really function. Et elles n'arrivent plus à vraiment fonctionner. Some women are like handicapped. Elles deviennent handicapées. And, you know, because they need grace. Parce qu'elles ont besoin de cette grâce-là. For me, I say a woman needs a supplementary grace. Pour moi, je dirais que la femme besoin d'une grâce supplémentaire. It's so, I think she needs grace so much. Elle a tellement besoin de cette grâce. Because there is just too much on her plate. Parce qu'elle en a beaucoup dans son plat. And in most cases, even the people she is working for, helping, and doing all they don't, in most cases, they don't even appreciate her. Yeah, parce que plusieurs fois, certaines personnes travaillent, elles font tout, mais elles ne sont jamais appréciées. You see, only grace can carry a woman.
C'est seulement la grâce qui peut porter la You see a man that you are doing all to, helping him, supporting him, standing for him. The day he will get angry and say he is leaving, he does not remember all of those things. Tu verras que tu il y a l'homme que, à qui tu fais tout, tu prends soin de lui, tu fais tout ce dont il a besoin. Mais à la fin, un jour, il se lève, il n'est pas conscient de tout cela, il décide de s'en aller. He does not think about all of that. Il ne pense même pas à tout cela. It takes grace. Seulement la grâce. For the woman to continue. C'est seulement cette grâce qui pourra permettre à la femme de continuer. You can imagine there are many women who maybe they are getting married for the second time, some the third time. Il y en a plusieurs femmes qui se marient pour la deuxième fois ou pour la troisième fois. It is only grace that can carry them even to get into another marriage after an abuse from the other one. C'est seulement cette grâce là qui est sur elles, qui peuvent les amener à prendre cette décision d'aller dans le second mariage après avoir été abusé par le premier mari. If you hear the stories of women, si vous écoutez les histoires des femmes, you will be so shocked of what they are still doing. Vous seriez tellement surprise avec ce qu'elles font actuellement. Yes. It is, don't be surprised, it is called the grace of God. Ne soyez pas surpris, cela s'appelle la grâce de Dieu. Even those that do not know God, they are living and walking under grace without knowing. Même celles qui ne connaissent pas l'Éternel, elles marchent sur cette grâce-là sans même savoir qu'elles l'ont. From the day that you came to the earth and cried, they say, what sex? They say, female. You came out with the grace. Depuis ta naissance, le jour où tu es sorti, tu as pleuré, tu as crié, et on a demandé quel était le sexe. On a dit, c'est la fille. À partir de ce jour-là, tu portes cette grâce. You came with grace. Tu es venu avec cette grâce. Because you have an assignment. Parce que tu as un assignment. Because you have to be dealing with human beings that the Bible says their hearts are desperately wicked. Parce que tu dois fonctionner avec des êtres humains dont la Bible dit que leur cœur est foncièrement mauvais. Can you imagine that there are many children who do not even care about their mothers? Pouvez-vous imaginer qu'il y a plusieurs enfants qui ne s'occupent même pas de leur maman? And they forget to know that on that day that she was bringing forth that child, she was between life and death. Ils oublient même que le jour où leur maman leur donnait naissance, ils étaient entre la vie et la mort. And some of them just neglect them. Et certains d'entre eux négligent cela. And the most men, they do that. Et certains hommes le font. They just totally focus only on their wives. Ils s'occupent seulement de leurs femmes. I always tell men, I say, if you are married, you have two females in your life. J'ai toujours dit aux garçons que si vous êtes mariés, vous avez deux femmes dans votre vie. You cannot forget about your mom. Vous ne pouvez pas oublier votre maman. But no matter how they treat them. Mais n'importe quoi. No matter how they treat them, the women. C'est n'importe comment on les traite, les femmes. They are still there for the children. Elles sont toujours là. They are still there to help. They are still there to be babysitters. Elles sont toujours là pour être la babysitter. Elles sont toujours là. But when you look at it, you see it's only grace. Quand tu regardes cela, tu vois que c'est seulement la grâce. She took care of her own children. Elle prend soin de ses enfants. Now she's taking care of the children of
her children. Maintenant, elle prend soin des enfants de ses enfants. So if you look at it, she has no rest in her life. Et quand tu regardes cela, tu vois qu'elle ne se repose pas dans sa vie. But on the grace. Mais c'est seulement la grâce. My sisters, I come today to tell you, look for grace. Mes sœurs, je viens aujourd'hui vous dire, cherchez la grâce. In order that this life that we live as women will be easy for you. Pour que cette vie que nous vivons en tant que femmes soit facile pour nous. Grace will carry you. La grâce va vous emporter. Grace will strengthen you. Ça va vous fortifier. Grace will give you joy. Ça va vous donner cette joie-là. Grace will make you enjoy your life. Cela fera en sorte que vous allez endurer votre vie. If you have to look only on the things around you, si vous devriez seulement regarder les choses autour de vous, you will be depressed. Vous serez dans la dépression. You will be angry. Vous serez fâché. You will be frustrated. Vous serez frustré. So today, actually, I will take time out to really pray for women. Aujourd'hui, spécialement, je vais prendre du temps pour prier spécialement pour les femmes. And my first prayer is that the oil of grace upon your life will never run dry. Que l'onction, l'huile d'onction sur votre vie ne sèche jamais. As a matter of fact, any woman that has not discovered grace, Arabaseke, as I've always said, last week I said to me, grace is Jesus. Comme j'ai toujours dit, je l'ai dit la semaine passée aussi, que la grâce est le Seigneur Jésus. If you have not discovered him and given your life to him, I encourage you to do that. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, je vous encourage de le faire. I'm telling you, according to me, with the experience I've had, both without Jesus and Jesus, no woman should be without Jesus. Je suis l'exemple que j'ai pu avoir dans ma vie sans avoir Jésus et après avoir eu Jésus. C'est seulement sa grâce. No woman should be without Jesus. Aucune femme ne doit être sans Jésus. I know how my life was without Jesus. Je sais comment ma vie était sans Jésus. And I know how my life is now with Jesus. Et je sais comment ma vie est aujourd'hui avec le Seigneur. You know, some people just say, oh, that they are born again thing, she is trying to get us. Oh, no, please. I love you with passion. I'm telling you the truth. Certaines personnes diront, avec cette histoire de born again, elle essaie de nous avoir. C'est pas le cas. Je vous aime avec passion. C'est pourquoi je suis là. That's why I'm telling you this. C'est pourquoi je vous dis cela. You know, I really have unquenchable passion for women. J'ai cette passion, yes, pour les femmes. Yes. And I my desire is to be able to help a woman. Mon désir, c'est être capable d'aider les femmes. To live a peaceful life. De vivre une vie paisible. To enjoy this life. De se réjouir de cette vie. Is that my heart? C'est mon cœur. So I will tell you the truth. Je vais vous dire la vérité. You know, at my age, I have lived before without Jesus, and I'm living now with Jesus, and I see the marked difference. À mon âge, ce que je peux dire, c'est que j'ai vécu avant sans Jésus, et maintenant je vis avec Jésus, et je suis capable de voir cette marque de différence. And so that is what I'm trying to tell my sisters.
C'est ce que j'essaie de dire à mes sœurs. That is what I'm trying to tell my daughters. C'est ce que j'essaie de dire à mes filles. A woman is greatly attacked. La femme est attaquée. She is greatly attacked before pregnancy. Elle est tellement attaquée avant sa grossesse. And she is greatly attacked during pregnancy. Elle est attaquée pendant sa grossesse. She is greatly attacked when she is putting to birth. Elle est grandement attaquée même quand elle donne naissance. She is greatly attacked bringing up the child. Elle est grandement attaquée quand elle élève les enfants. She is attacked in her marriage. Attaquée dans son mariage. She is attacked even in her immediate family. Elle est même attaquée dans sa propre famille. She needs a power that is stronger than her. Elle a besoin du pouvoir qui est plus fort qu'elle. She needs something higher than her. Elle a besoin de quelque chose plus grand que elle-même. She needs grace so bad. Elle a tellement besoin de cette grâce. So that's why I've come today to talk to a woman, to talk to a female, whether you are young or old. I beg you in the name of Jesus, you need the Lord Jesus in your life. C'est pourquoi je suis venu parler aux femmes ou aux jeunes filles, que tu sois jeune ou vieille, ou âgée, que tu as vraiment besoin du Seigneur Jésus dans ta vie. Listen, young girl. Écoutez, jeune fille. You need Jesus. Tu as besoin, vous avez besoin de Jésus. You are not a man, you are a woman. Vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des femmes. You are not the one that will go out to look for your husband. Vous n'êtes pas celles qui iront dehors pour chercher leur mari. You are not the one that will go out and look for your husband. Tu n'es pas celle qui ira dehors pour chercher son mari. It is your husband that will allocate you. C'est ton mari qui doit te localiser. It is you that will choose to say yes or no. C'est à toi de décider si tu le veux ou pas. All type of people will come to you. Tout genre de personnes viendront. I say this with a burden. Je dis cela avec une lourdeur. Because as a young girl, I made a mistake. Parce que comme jeune fille, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Because I said yes to the wrong man. Parce que j'ai dit oui yes to the wrong man. J'ai dit oui à to the wrong person. To the wrong person. No right person. You know, I'm talking to the young girls with a burden. Je continue à parler aux jeunes filles avec cette lourdeur. With a burden, fardeau. Fardeau, avec cette fardeau, ce fardeau. You know, you need Jesus so that you make the right choice. Vous avez besoin de Jésus, comme ça vous ferez le bon choix. Because once you accept Jesus, the Holy Spirit comes in and is able to lead you. Comme ça, quand vous allez dire oui au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit viendra en vous et il pourra vous guider. My very first prayer is that let every woman, young or old, have the desire to seek the Lord Jesus. Ma première prière, c'est que les jeunes filles, que ce soit jeunes filles, que ce soit les personnes âgées, qu'ils aient ce désir, ce grand désir-là, de vraiment chercher la face de l'Éternel. I pray for hunger in your heart for the Lord Jesus. Je prie tellement que vous ayez cette faim de Jésus. Oh God, I pray for that young girl. Hey, I know the world. The world is sweet. The world is pulling you, but you will not remain young. Je prie vraiment pour cette jeune fille. Je sais que le monde vous attire,
Mais vous n'allez pas demeurer jeune. The years are passing by so fast. Les années passent tellement vite. If you make errors when you are young, it's going to disturb your whole life. Si vous faites des erreurs quand vous êtes jeune, cela va détruire votre vie. The error I made when I was a young girl. Les erreurs que j'ai faites quand j'étais jeune. It takes only the grace of God to come back and really live like a complete woman. Il a fallu la grâce de Dieu pour moi de revenir et vivre vraiment cette vie accomplie. And my life has never been the same like if I knew Jesus when I was young. Et ma vie n'a jamais été de même comme si j'avais connu Jésus quand j'étais jeune. So young girl, please I beg you, in the name of Jesus, I beg you, the world is sweet, but it's passing away. Look for Jesus. Give your life to the Lord Jesus. Jeune fille, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. La vie est sucrée, elle est belle, mais je vous en prie. Prenez du temps pour chercher la face de Dieu. Because life, it passes away. Parce que la vie passe, tout passe. It is not going to be permanent. Ça ne sera jamais permanent. And you will not always be the way you are now. Et vous ne serez pas toujours de la même façon dont vous êtes. Remember the future. Rappelez-vous du futur. And please prepare your future. Je vous en prie, préparez votre futur. Do not play with your education. Ne vous amusez pas avec votre éducation. Get a career. Ayez une carrière. And follow the Lord with all your heart. Et suivez l'Éternel avec tout votre cœur. That marriage is sweet now, just as it can be bitter tomorrow. Ce mariage est bien maintenant, il est sucré, mais demain ça peut être amer. It is only Jesus that can keep it sweet continuously. C'est seulement Jésus qui pourra garder ce mariage sucré comme il est. How can I talk to you? Comment pourrais-je vous parler? I pray that any young girl that listens to me will take that decision to follow Jesus. Je prie que toute jeune fille qui m'écoute prenne cette décision de suivre Jésus. And it is only when you've given your life to the Lord that the grace, the oil of grace will come upon you. C'est seulement quand vous allez donner votre vie à Jésus que cette onction, cette huile d'onction de grâce pourra être sur vous. And then that grace, Jesus will help you in everything in your life. Cette grâce, Jésus vous aidera de partout dans votre vie. He will lead you. Il va vous diriger. He will guide you. Il va vous garder. He will protect you. Il va vous protéger. I don't know how to say this. Je ne sais comment le dire. But I pray that the Spirit of God will use it to convict you so that you go to the Lord. Je prie que l'Esprit de Dieu vous convainc et vous lie dans la voie de l'Éternel. Yeah, and to lead you. Vous dirige dans la voie de l'Éternel. I thank God for my interpreter today. May the Lord bless you. It is well. You've not done this for a long time, so it is well, but you're doing well. Be strong, girl. Be strong. You see, many shall find life, peace, and joy, and fulfillment through you. Plusieurs vont trouver la vie et le fulfillment à travers vous. They will find joy. Ils vont trouver la joie. They will find life. Ils vont trouver la vie. They will find peace. Ils trouveront la paix. They will find fulfillment. Ils trouveront. That's okay. Yeah. Through you. À travers vous. L'accomplissement à travers vous. You need the Lord so bad. Vous avez besoin de Dieu, de Jésus. This cannot happen without a power that is greater than you in you. Cela
peut seulement arriver à travers ce pouvoir qui est grand en vous. Because he will give you that grace. Parce qu'il vous donnera cette force. To be that person, that woman that he created you to be. Pour être cette femme that qu'il t'a créé d'être. There are many young girls that made serious mistakes. And those mistakes follow them all the days of their lives. Il y a certaines jeunes filles qui font certaines erreurs et ces erreurs les suivent jusqu'à la fin de leur vie. They are never happy. Elles ne sont jamais contentes. They are never fulfilled. Elles ne sont jamais, elles n'accomplissent jamais. There is always something lacking. Il y a toujours quelque chose de moins. A young girl that was supposed to be far in everything she does. Une jeune fille qui devait être très loin dans tout ce qu'elle faisait. But she is limited. Mais elle est limitée. Because of mistakes. À cause des erreurs. So I'm talking, I don't know, I still always talk to young women. Peut-être que je fais une erreur, mais je parle toujours aux jeunes filles. I don't know why I'm talking to the young women a lot today. Je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup aux jeunes filles. Do not lay a wrong foundation in your life. Ne posez pas une mauvaise fondation dans votre vie. And you cannot lay a good foundation without Jesus. Vous ne pouvez pas avoir une bonne fondation sans Jésus. Because the world is wicked. Parce que la vie, le monde est mauvais. The world is wicked. Le monde est mauvais. And the powers of the world to destroy is strong. Le pouvoir du monde pour détruire est très fort. You need a power that can fight that power. Vous avez besoin du pouvoir qui peut combattre ce pouvoir là. And that power is in the Lord Jesus. Et ce pouvoir là c'est en le Seigneur Jésus. My daughter. Ma fille, take care of yourself. Prends soin de toi. And the easiest way is go to the Lord. Et le moyen le plus facile c'est d'aller vers le Seigneur. And those that have given their lives to the Lord. Et celles qui ont donné leur vie à Jésus. I pray that you take it serious. Je prie que vous preniez cela sérieusement. Because there are still some women that are in the Lord and they are playing. Parce qu'il y en a certaines femmes qui sont dans le Christ, mais elles continuent à jouer. It is very dangerous. C'est très dangereux. You cannot be neither nor. Vous ne pouvez pas être avec le Seigneur et ne pas l'être. Yeah, you cannot be like that. Vous ne pouvez pas être comme ça. It's dangerous. C'est très dangereux. It is a big door for the enemy to come in and destroy you. C'est une très grande porte pour l'ennemi de venir entrer et vous détruire. Be very serious with the Lord. Soyez très sérieux avec le Seigneur. Because the Holy Spirit is holy. Parce que le Saint-Esprit est holy. Un saint. Praise the Lord. Amen. He is holy and he does not mix up with our mess. Parce que le Saint-Esprit est saint et il ne s'accommode pas avec nos erreurs. So I pray that your life will be joyful. Je prie que votre vie soit joyeuse. That like gold, you will be so useful. Que comme de l'or, vous serez utilisable. Like gold, you will be valuable. Okay. Comme de l'or, vous serez vous aurez une valeur. Yeah. Comme de l'or, vous aurez une valeur. That's my prayer for you. Ça, c'est ma prière pour vous. I'm praying for the women. Je prie pour les femmes. Young or old. Jeune ou âgé. That like gold, you will be valuable. Comme de l'or, vous aurez une valeur. It is a choice. C'est un choix. Give your life to the Lord Jesus. Donnez votre vie à Jésus. And the Holy Spirit will help you. Et le Saint-Esprit va vous aider. To be that gold. D'être cet or. That will be appreciated.
qui sera apprécié, that will be respected, qui sera respecté, that you'll be like the sun, qui sera comme le soleil. I pray that you'll be like the sun. Je prie que vous soyez comme le soleil. You shall shine. Que vous brillez. You shall shine wherever you go. Que vous, vous brillez partout où vous irez. I pray for you today. Je prie pour vous aujourd'hui. That you will shine. Que vous allez briller. You will shine as wife. Vous allez briller comme du blanc. Like wife. Like, comme une femme. Comme une and femme. You will shine like a mother. Vous allez briller comme une mère. I pray for you. Je prie pour vous. That God will keep you to enjoy the certain days of your children. Que le Seigneur va vous garder pour bénéficier des jours de vos enfants. Yes, you will not be absent when your child is being celebrated. Vous ne serez pas absent quand vos enfants seront célébrés. You will not be absent on that great day in the lives of your children. Vous ne serez pas absent ce grand jour, le grand jour de vos enfants. I pray for you. Je prie pour vous. That you yourself will be celebrated. Que vous-même vous seriez célébré. Your husband will celebrate you. Vos maris vous célébreront. Your children will celebrate you. Vos enfants vous célébreront. It is a choice. C'est une joie. It is a choice. C'est un choix. You have to give yourself completely to Jesus. Vous devriez vous donner complètement à Jésus. So that you live a life that will be celebrated. Comme ça, vous allez vivre cette vie qui sera célébrée. Oh, my daughters. Oh, mes filles. Oh, my sisters. Oh, mes sœurs. I pray for you. Je prie pour vous. I know what I'm enjoying now. Je sais ce que je bénéficie aujourd'hui. I made a mistake when I was young. J'ai fait des erreurs quand j'étais jeune. But I thank God. Mais je remercie le Seigneur. That mistake, God corrected me as I went to Jesus. Ces erreurs là, le Seigneur les a corrigées quand je suis allé vers le Seigneur. So I'm talking to a woman. Je parle aux femmes. I'm talking to a girl. Je parle aux filles. Are you in an error? Es-tu dans l'erreur? Are you making a mistake? Fais-tu des erreurs? Go to Jesus. Va à Jésus. He will restore you. Il va te restaurer. He will restore Il you. Il va te restaurer. And you will enjoy your life. Et tu vas célébrer ta vie. I thank God for the day Jesus found me. Je remercie le jour que le Seigneur Jésus m'a trouvé. And he washed away my sins. Et il m'a lavé de mes péchés. And he gave me the Holy Spirit. Et il m'a donné le Saint-Esprit. Oh, what a wonderful, wonderful day. Day I will never forget. After I've wandered in darkness only, Jesus, my Savior, I met. Oh, what a wonderful, tender friend. He made the need of my heart. Shadow despairing with joy, I'm telling. He made the darkness depart. Heavens came down and glory filled my soul. And when on the cross, my Savior made me whole. Listen to this. My sins were washed away. Translate, listen to this. Écoutez ceci. My sins were washed away. Mes péchés ont été lavés. And my night was turned to day. Mes nuits ont été tournés en journée. Jesus came down and glory filled my soul. Oh, oh, oh.
So it's a wonderful day. You know, God gave me a second chance. C'est une bonne journée. Dieu m'a donné une deuxième chance. He gave me a second chance. Il m'a donné une deuxième chance. And today I'm rejoicing. Et aujourd'hui, je suis dans la joie. And today I'm peaceful. Aujourd'hui, je suis dans la paix. I pray for you. Je prie pour vous. That you will shine. Que vous allez briller. That you will be celebrated. Que vous serez célébré. That you will be loved. Que vous serez aimé. As you give your life to the Lord, quand vous donnerez votre vie à Jésus, and as you accept the Holy Spirit, et vous recevrez le Saint-Esprit, as it like money, comme de l'argent, you will be so useful, vous serez tellement utile, as money, comme de l'argent. I pray for you, je prie pour vous, you will be so useful, vous serez tellement nécessaire, as a sister in the church. Comme sœur de l'église, you'll be so useful. Vous serez utilisé. As a wife, comme femme, you'll be so useful. Vous serez utilisé. As a mother, comme une mère, you'll be so useful. Vous serez utilisé. Oh God, how can I pray for you today? How can I pray for you today? Comment prier pour vous aujourd'hui? I pray from my heart. Je prie avec mon cœur, that peace and prosperity will be a portion. Que la paix et la prospérité soient votre portion. Oh young girl, oh jeune fille, go for it. Venez pour ça. Go for it. Allez pour cela. Look for it. Cherchez cela. It is in the Lord. C'est en Jésus. The Holy Spirit will help you. Le Saint-Esprit va vous aider. I pray for you. Je prie pour That peace and prosperity, que cette paix et cette prospérité, will be your portion. Soit votre portion. Will be your portion. Soit votre portion. You will not suffer in your evening time. Vous n'allez pas souffrir dans votre après-midi. You will not suffer at your old age. Vous n'allez pas souffrir dans votre vieillesse. You will not be alone in your old age. Vous n'allez pas être seul dans votre vieillesse. You will not be sickly in your old age. Vous ne serez pas malade dans votre old age. At your old age, come to a vieille. Quand vous serez vieille. Karabakas kandarabakas sekotoroposhikaraba. Hey, papa, I just have a burden for a woman. J'ai ce fardeau là pour la femme. I have a burden. J'ai ce fardeau. I pray for you. Je prie pour vous. That peace and prosperity. Que la paix et la prospérité. Will be your portion. Soit votre portion. You will be divinely separated from any wickedness. Vous serez divinement séparés de tout mal. There shall be no way for the wicked to afflict you. Il n'y aura pas une voie pour les méchants de vous afflicter. It doesn't matter how they come. N'importe comment ils viendront. The power of the Most High will come upon you. La puissance du Seigneur viendra sur toi. And he will fight for you. Et il combattra pour vous. He will fight for you. Il combattra pour vous. Hey, kapala basi kuruposhika, rapa pa 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 pa. Young girl, lay a good foundation. Jeune fille, posez une bonne fondation. Go to the Lord Jesus. Allez vers le Seigneur Jésus. Life is more beautiful in the Lord. La vie est plus belle en Jésus. Let the glory of God be upon you. Que la gloire du Seigneur soit sur vous. I want to tell an unmarried woman something right now. Je voudrais dire à celles qui ne sont pas mariées quelque chose maintenant. When the glory of God is upon you, quand la gloire du Seigneur est sur vous, he will attract the right person. Cela attire la bonne personne. But when you are in the world, mais quand vous êtes dans le monde, you don't care about Jesus. Vous vous en foutez du Seigneur. It is the wickedness of the world that will be on you.
C'est le, la méchanceté du monde qui sera sur vous. And wicked people will be attracted to you. Et ce sont les méchants qui seront attirés. That's why I tell most women. That is why c'est pourquoi je dis à certaines femmes, I say, be careful the way you dress. Faites très attention à la manière dont vous vous habillez. Because the way you dress, you attract the same type of people to you. Parce que la manière dont vous vous habillez, vous attirez les mêmes personnes sur vous. And in most cases, it is very rare to see people that are attracted by scanty dressing be good. Dans plusieurs cas, c'est tellement rare de voir des, certaines personnes attirées par l'habillement normal. Attracted by scanty dressing, by dressing that is not respectful. Okay. C'est tellement rare de voir certaines personnes attirées par des vêtements qui ne sont pas bien. And they are good. Alors qu'elles sont bien. It's difficult. C'est très difficile. People who are attracted by those type of things. Les gens qui sont attirés par ce genre de choses, they are always attracted by demonic things. Ils sont toujours attirés par des choses démoniaques. And they can never be good husbands. Ils ne seront jamais de bons maris. And the women can never be good wives. Et les femmes ne seront jamais de bonnes femmes. Young girl, be careful. Jeune fille, faites attention. Dress respectfully. Habillez-vous normalement. Don't dress in a way to attract a man. Habillez-vous respectueusement et ne faites pas, ne vous habillez pas de la manière dont vous attirez l'homme. Because you attract just any type of person. Parce que vous allez attirer n'importe qui. And your life will be destroyed. Et votre vie sera détruite. I pray for you. Je prie pour vous. That your life will not be destroyed. Que votre vie ne sera jamais détruite. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. You will live a fulfilled life. Vous allez vivre et accomplir la vie. You will live a joyful life. Vous allez vivre une vie heureuse. And you will eat gracefully. Et vous allez manger. You will grace. You will eat gracefully. Et vous allez vieillir avec cette grâce, dans la grâce. Today is my birthday. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. And I end up by wishing every woman. Je finis a good life. Je finis en souhaitant à toute femme une belle vie. I wish that all of you go to the Lord. Et je prie que vous tous vous alliez vers le Seigneur. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord keep you. Qui vous garde. And may you open your mouth and just call that name and he will come. Et que vous ouvrez votre bouche et vous appellerez ce nom et il sera là. And you say, Lord, I give my heart to you. Et vous direz, Seigneur, je vous donne mon cœur. I give my life to you. Je vous donne ma vie. May you enjoy your evening time. Célébrez votre après-midi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.